Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Assetto Corsa pour une session drift assez particulière. Je suis allé faire un tour sur ce département comme d'hab. J'ai fait mes petites courses, 2-3 petits modes qui étaient assez intéressants, dont celui-ci, Tom Water, apparemment Martin du film Cars, à qui on a délégué 800 chevaux. Donc j'ai vu drift à côté, je me suis dit ça va faire l'objet d'une vidéo. Assez what the fuck, puisqu'on est sur Akaji Mountain. Faut quand même rappeler que c'est un terrain que j'avais côtoyé il y a quelques temps. Avec une Supra que j'ai mis en travers tout le long. Mais là, je vais vous montrer le mode de l'extérieur. On va perdre un petit peu en crédibilité. Franchement, c'est sacrément ouf quand même. Les mecs, ils ont quand même de la créativité pour intégrer ce genre de mode. Et lui dire, bah tiens, va le mettre en travers. Ça doit être hilarant de l'extérieur. Mais bon, écoutez, on va se lancer. Alors, j'ai fait un test avant de commencer à record. Il y a 2-3 défauts majeurs. C'est le freinage et puis la tendance où le volant n'a pas tendance... Enfin, le volant n'a pas tendance à revenir. Donc admettons tu prends un enchaînement gauche-droite, le volant ne contrebraque pas des fois automatiquement. C'est un peu chiant. Là il y a une espèce de balancement gauche-droite, vous pouvez le voir ici au niveau du volant. Si je le laisse comme ça en ligne droite, voilà, vous voyez. Je passe, ça s'entend aussi. Bon, le retour de force est quand même balèze. Ah, il a la pêche le Thomas. Hein. 800 chevaux mon gars. Une première loge pour voir l'angle de braquage que j'applique. Voilà, tu vois. Au niveau du freinage, c'était tendu. Heureusement, j'ai joué avec le frein moteur. Franchement, hein. De l'extérieur, ça doit être marrant. Si j'arrive à vous dégainer, pardon, une session de qualité, je vous laisse le replay à la fin. Voilà, ici, ils viennent me faire la même couille. Les pneus ne se sont pas remis dans le bon sens. Putain, il a la pêche, le Thomas. Voilà. Putain, c'est ouf. En plus, je sais pas, j'ai dû perdre le tracking pendant un petit moment. Bah par contre en troisième, il a la pêche. Hop. Voilà, tu vois, ici il a eu du mal à revenir. J'ai été surpris. Le retour de force est vraiment balèze. Je sais pas ce qui est passé dans mon casque. Après, il y a eu un nouveau. Une mise à jour sur le P-Tool là de P-Max. Putain, même en troisième, il a la pêche, le salaud. C'est ouf, quand même. Je suis à train de me mettre en travers comme si j'avais la Supra dans les mains. Et ça a l'air de bien marcher. C'est un peu physique. Le mec il a foutu une carrosserie digne d'un cartoon. Et ça se drift des fois aussi bien que d'autres modèles dédiés spécifiquement pour la discipline. Aïe! J'ai levé une roue mon gars. J'ai fait exprès de le mettre à l'extérieur parce que le double gauche. Il est tellement espacé. Qu'il fallait que je prenne beaucoup plus large pour garder l'angle de braquage. Bon,
En termes de freinage, c'est pas ouf, mais au niveau de la direction, par moment, ouais, j'étais assez surpris. En gros, quand vous lâchez le volant tourne automatiquement et en fait, vous le laissez glisser entre les doigts pour ensuite le bloquer, garder l'angle que vous voulez. Après, c'est une question d'habitude, et de garder le bon angle de braquage, le bon angle sur la bagnole, et vous gardez voilà cette glisse linéaire entre le fait de. Enfin, de la garde en équilibre. Des fois, c'est dur à trouver les mêmes. Ouais. Je vous donne un peu, j'essaie de vous donner un peu le contexte. Et là, il a tendance, des fois, lorsqu'il pivote, il s'arrête en plein milieu, donc les roues restent droites, alors qu'ils doivent être contre-braqués complètement à gauche ou à droite. Tout dépend le sens du virage. Mais bref, ça reste fun. Petite session What the Fuck, je vous laisse le replay. À la fin, n'hésitez pas à partager un avis sur cette session un petit peu particulière avec ce mode-ci sous la vidéo. Puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.